Nobody move! Get up! Piece of shit! Fucking asswipe! Why'd you have to go and do that for, huh? You gonna rip me? Great shit! You didn't have to go and kill me! Shit, Beckham! Quit acting like a fucking 2-year-old, goddammit! Hey! Cut it out! Cut it the fuck out! Man, a goddamn circus around here! Get back to your position, goddammit! I think I got, four of spades. Are you Mohammed Arazak al-Sadoun? Let me see that. All right. All right, let's load them all up. Hands behind your back, come on. All right. Put your hands behind your back. Hands behind your back, everybody. Hands behind your back, come on. لا خسرنا كثير رجالة بس العزيمة ما خسرناهاش. منيح. اسمع الأمريكان مفكرين ربحوا الحرب. خليهم يفكروا هيك. يعني بنظفوا المدينة بعد ما هدموها. بس هدول بطل جنود لازم نستغلها نهاجمهم. وراح نعمل هيك بس لازم نغير طريقة. نضرب فيهم بالوقت اللي هن مش متوقعينه. وبالأماكن اللي مش منتظرينها. فاهم؟ فاهم. بدكش تخليك معنا؟ اسمع أنا راح أبقى معاكم الوقت اللازم. راح تحصلوا على سلاح أكل ومال، تختار رجالك واستعملهم على قدر إمكانياتهم، دايماً. دايماً اختار أهداف سهلي ونفذها. ماشي. الله معك. Hey Lukman, s'il te plaît. Dis-moi qu'on a des nouvelles de shérif. Aucune. S'il est mort au combat, il aura la récompense des martyrs. Sois pas triste. Réjouis-toi, au contraire. Youssef, guide la prière, s'il te plaît. Qu'il vienne au garde dans notre jihad. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Take us to your fucking commander maybe we'll go easy on him huh Throw his ass in prison let him rot there maybe that'll bring his memory back DST vient de nous informer qu'une cellule d'intégristes en dehors de Paris pourrait être impliquée dans la rébellion contre les Américains en Irak. Gardez ce dossier sous le coude, c'est votre secteur. Restez en contact avec la DST et prévenez-moi s'il y a du changement. Bien sûr. Ah, Hugo, une dernière chose, j'ai appris que vous aviez été voir Durieux derrière mon dos. Vous trouvez ça normal, vous? Comment ça? Quel sujet? Oh, je vous en prie, épargnez-moi votre petit air innocent. Je sais très bien ce que vous pensez de moi. Écoutez, sur l'Irak, nous n'avons pas toujours vu les choses de la même façon, mais bon. La guerre a changé la donne. Maintenant, c'est du passé. Tant mieux. La France a perdu beaucoup de son crédit depuis 6 mois. Et ce n'est pas une raison pour mettre à mal la réputation de gens qui ont tout fait pour soutenir le peuple irakien pendant 20 ans de dictature. Soutenir le peuple irakien? Ça ne vous choque pas, vous, que des diplomates à la retraite utilisent leur statut pour s'enrichir illicitement? Ah, vous faites allusion à Bayard? Mais Bayard est un type un petit peu vaniteux, maladroit quelquefois. Il n'a pas que des amis ici, mais ça ne fait pas de lui un criminel. Donc ça vous pose pas de problème déontologique? Le Premier ministre s'est exprimé brillamment sur le fait de ne pas rallier les États-Unis. Question morale, vous pouvez dormir tranquille. Ah, mais ma morale n'en souffrira pas, au contraire. Mais c'est pas ça dont il s'agit. Messière, vous pourriez faire une grande carrière dans cette maison sans être obligé de prendre parti, vous savez. Ne vous mésestimez pas. Thank you.
Hey! Hey! This is a restricted area! No civilians! Let's go! Get a move on! You understand English? Yes, I do. Do you know what you people did to this place? This used to be a water treatment plant. Now the people who live there don't have running water anymore. Do you understand my English? Listen, lady. I don't know who you are, but I'm just doing my job. You can't stay here. What? Come on, let's go! Non, je ne voyage plus autant. Puis les années s'ajoutent, malheureusement. Un retraité qui a fait 20 000 km le mois dernier, c'est la grande forme quand même. Je suis enseigné. Beyrouth, février dernier. Quel plaisir de vous revoir. Alors, ces affaires? L'hydrocarbure est très instable. Et puis, nous autres Français, sommes devenus persona non grata. Un pays, si vous voyez ce que je veux dire. Ça ne durera pas. On verra. Et puis, un jour, les Américains seront bien obligés d'écouter ceux qui connaissent vraiment les Irakiens. Pense à quelque chose. Peut-être qu'avec vos contacts, vous pourriez m'aider. Vous n'allez pas me croire. Ce type me propose de racheter des bons de pétrole en bonne et due forme, signés de la main même du fils Hussein. Ça dépasse l'entendement. Enfin bon, maintenant, ça n'a plus aucune valeur. Ah ben, détrompez-vous. Vous voulez? Non, merci. Non, ce type a sans doute trouvé une parade. Le pétrole est déjà sorti d'Irak. Il est bel et bien dans les cuves, quelque part. Comment s'organiser les livraisons? Par carte bleue, en passant un petit coup de fil à son service du quartier? C'est encore plus simple. Ça se fait par Internet, par un lien hyperlink, et puis grâce à un mot de passe échangé après un transfert sur le compte d'une société grande Bayer à Jersey. Bon, ce type a un culot extraordinaire. Oui, alors, il est complètement inconscient. Et puis, dissimulateur. Il avait quand même les roses à bois. Travail Bayer. حط الصندوق بالرفة أخيرا. Tout ce qu'on a pu récupérer. De toute façon, tout est à refaire. Et les plans de construction? Détruits avec les autres archives. Par contre, tous les dossiers depuis 2000 ans ont été épargnés. Parce qu'ils étaient dans le bureau de l'administration. Ah, et ça aussi. Solidarité avec le peuple. On va nous prendre pour des communistes. Ah, voici les devis de reconstruction qu'on m'avait demandé. Hé! Je vais pas m'en sortir. Faut que j'aille voir les Américains. Everybody out of the vehicle. See your papers. Oh, Froggy. Shouldn't you be going to see your pal Saddam Hussein? Oh, I forgot. He's had an accident. Open the back. Lift out.
fuck's Sappy? I need to talk to someone in charge. Oh, so do I, honey. If you catch him, let me know. I got a French lady here. Fuck you. She says she wants someone in charge. Doesn't everybody? That's what I told her. Yeah, put her in line with the others. All right. Man, we're gonna have to go stand in that line. You're gonna have to leave your Iraqi friend behind. هنايا ما حسب رايي خطر لازم نغير الطريق هذاك ثلاثة انت نفسه وين نفسه ذاك بده يلحظ بدا نفسه ما نعرفش لا لا هاي المنطقه كلياتها مش تابعه لنا اذا ما نغير الطريق نقدر بدنا ناخذ طريق ثاني يعني بدنا تكون نفس الفحل ناخذ بدنا نغير الطريق ça marchera pas moi je dis que le mieux c'est placer les charges explosives dans chacun de ces deux endroits là et là OK et les faire sauter à 5 minutes d'intervalle. Et l'hôtel? Qu'est-ce que vous pensez? Non. L'hôtel, on oublie. J'étais avec Mahmoud hier. C'est trop risqué pour l'instant, c'est...
Ou alors, si tu veux vraiment le garder comme cible, ici, il y a que lance-roquettes qu'on pourra l'avoir. On est tombé pour l'instant. En tout cas, Karim et moi prendrons Bader et Obaïda avec nous. OK? Je suis là comme... Bon, on est d'accord? Et demain, les portes de l'enfer s'ouvriront en grand pour accueillir les impies. Allahu Akbar. Allahu Akbar. You better come look. What? Come. Told me they found this mass grave yesterday. Apparently, this was a detention center, and all these people killed in the last weeks of Saddam. Hello? Who did all this killing? Saddam's men, Sunnis. All these dead were Shias. Sunnis think we are heretics because we are Shias. Mm-hmm. You got good English. Looking for a job? Yeah. Okay, because we're looking for a translator. Why not? Yeah, I will be glad. You can't park here. You can't park here. Go on. Jeez, it's hot out here. Hello? Yeah, yeah. Yeah, can we get two kebabs, please? Yeah, I need that. Excuse me. One cigarette? Yeah, sure. Thank you. Yeah, you got it. Enjoy it. Open the hood. Shof. Yeah, I can smell it. Thank you very much. Just stand here. I'll speak to you. Don't move. No, the problem is Shof. Thank you. I don't know what's the problem. Please, be quiet and stand here. We'll fix it. Shabesh. Yani. Maybe it's the carburetor. Back off, guys, please. All right, man. Jeez, what the fuck is that? Oh my God! Oh my God!
Daniels, are you okay? Are you okay? You're all right, okay? These attacks represent a breakdown in discipline, Hacker. Major fucking failure. Do I make myself clear? Sir, every body bag we send home is a failure. You're goddamn right. So get out there and find out who's doing it. Sir, we got 18-year-old kids trained for the Marines, handing out food and being policemen. There's gonna be some holes. Sounds like it's your problem to me. Fix it. Yeah, with what? Spit and baling wire? Give a good goddamn. Just get out there and find these shits. Anyone associated with Saddam, you round them up. We've been doing that, sir. Well, do it faster and do it better. We get Saddam and his boys and we can get this toilet fucking working again. Yes, sir. I'll try to keep that in mind. Now, I want you to meet with some of these Shiite sheiks we got here. These guys are moderates. They hate Saddam as much as we do. I think we can work with them. Salaam alaikum. 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 Yeah. Just I have a secret. I have a secret, I will tell you. Come on. I listen. He's Al-Qaeda. Maybe we should tell the captain. I think you're right. Yeah. This guy better have something good. Come on, come on. Cool. Go. Go, get in there, man. I'm seeing your sorry ass. Now, get the hell in there. راح يروحونا اخوي. راح يروحونا. مش مع الهندق ايش تقول له؟ انا دبرت لك كل شيء معي. Gentlemen, here we go. Incoming. Got him? Yes. What the fuck is... Oh. Yeah. Stay in there. Just celebrating.
What, sir? Just came over the radio. Got Saddam's two boys. They're both dead. The whole city's going nuts. True happiness, huh? Je vais te présenter dans 3 jours au bureau du colonel Kerr. Ah, ils ont encore fini par remarquer qu'on existe. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Vous ? Madame Le Guin, laissez-moi vous parler. J'ai besoin de votre aide. Écoutez, si j'étais vous, je ne resterais pas ici. C'est très dangereux pour vous comme pour moi. D'accord. J'irai droit au but. J'ai besoin d'argent pour quitter le pays au plus vite. Vous m'excuserez, je suis un peu à court en ce moment. Écoutez, écoutez. J'ai du matériel qui peut vous intéresser. Des pompes, des vannes. Tout un autre époque, plein de pièces détachées qui n'ont jamais servi. Rien que ça. Je compte sur la SAPI pour me faire une proposition. Le lot est à prendre en entier. S'il vous plaît, ne me faites pas attendre. Je changerai jamais, hein. C'est pas une mauvaise affaire. Très bien. On se reparle dans quelques jours. Comment je dois vous contacter? Ne vous inquiétez pas pour ça. Je ne serai pas loin. Au revoir. Merci. Qu'est-ce qu'il voulait, ce sale type? Mais qu'est-ce qu'il y a? Méfie-toi de cet homme. Il est très dangereux. C'est lui qui a fait tuer Ahmed. The United States government guarantees all prisoners the right to practice their religion as they see fit. As such, this Quran is provided to you free of charge. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Ces Américains voulaient même pas nous donner son nom. Le shérif Medioub. Il est en prison à Guantanamo avec les 6 ressortissants français qui capturés en Afghanistan. Il y a un lien entre eux? Pas pour l'instant. Tant mieux. C'est pas le moment de découvrir qu'il existe dans ce pays un terrain propice avec Al-Qaïda. Ce dont je doute fort d'ailleurs. Enfin, malheureusement, ça va pas nous aider à les transférer en France. Ah oui, le Patagone s'y oppose formellement. Hein. Ce qui est compréhensible. Mais ça ne les jugez pas, eux. Ah oui? Allez dire ça au Faucon de Washington. Vous avez compris la mentalité des Américains depuis le 11 septembre, Hugo? Vu les milliers d'hectolitres de vin français déversés dans le caniveau des villes américaines, nous savons que le pire est passé. J'aime pas beaucoup votre humour, Hugo. Je préfère quand vous êtes sinistre. Ok. All right, so take that. You're good to go. Miss Le Guin. How do you pronounce that? Le Guin.
Yeah. It's come to my attention that you've been seeking a building permit for a water purification plant inside our city. Yes. We finally brought clean drinking water to Salem City after 10 years of hard work. Unfortunately, one of your bombs fell on our plant. Yeah. Vous n'êtes peut-être pas au courant, puisque vous êtes française, mais l'autorité provisoire de la coalition a confié tous les contrats de la reconstruction en Irak à la société Halliburton de Texas. Ça veut dire que nous n'aurons pas besoin de votre organisation. Mais c'est honteux, c'est nous qui avons toute l'expertise requise dans ce domaine. Vos ingénieurs ne connaissent strictement rien à ce pays. Vous allez devoir tout recommencer à zéro. Ce n'est pas si grave. Nous avons tout le temps devant nous. Vous faites une grave erreur. Peut-être. Mais c'est nous qui avons gagné la guerre, pas vous. You Americans are so arrogant. You've done nothing but bring chaos to this country. There is no electricity. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de médecin. Il n'y a rien. Et vous savez pourquoi? Parce que vous avez viré tous les membres du Parti Basse. Et vous n'avez rien compris. Tout le monde était obligé d'être au Parti Basse. C'est ça, la dictature. Madame Le Guin. Le Guin. I'll get right to the point. Your organization, SAPI, is no longer welcome in Iraq, and neither are you. We know for a fact that you are collaborating with Saddam's people. And we know that you were involved in illegal activities. And we have taken the liberty of informing the French authorities about it. Given your situation, I strongly advise you to leave the country at your earliest convenience for good. And if I don't? Well, I'm afraid that you don't have the choice. And what if I were to deliver to you one of the men you are looking for? A man from your deck of cards? Yeah, what if you were? Hotel One Command. This is 17. We're in position and on the move. Over. Roger that, 17. Hotel One Command ready to receive the Four of Hearts. All right, everybody, let's lock and load. Roger that. Oh, shit! God damn it! What the hell's going on? Wakef! Wakef on! Lazim nesta na trela. Do we have a 20 on Abdel Khalik? That's a negative, sir. I don't know. I can't get it. I can't get it. I can't get it. ترد نقتلها؟ لا، حنحفظها. Rien faire. J'ai l'impression qu'on est en taule ici, Youssef. T'as pas autre chose, je l'ai déjà lu 10 fois celui-là. J'ai vu Lukman avec d'autres dirigeants tout à l'heure. Je suis sûr qu'il y a un truc qui se prépare. Ya Rajel, bi'amalou metel ma bidhem el Bakin. Ana bennisbe ili ma adou l'Amerikan ham nel asasi. Ma andoum el iradi. Ba'ad 6 shuhur, sentain ou akhtar, bensurfo. آه. وضبوا أغراضهم من صفر بس الشيعة الشيعة راح يضلوا هون إذا ما كان أسبوع
لصوص بيجوا مع عيالهم مع عيالهم بفوت على الدور المهجوره واكثر من هيك حابين ينتقموا منا بس ما عرفنا عليهم زي العقرب كيف استناك بحذائك وانت نايم عشان تقرصه ايه لازم نضرب فيهم هلا كريم يوسف السلام عليكم للشيخ تزا فوستاشي غفنو دي زون اكزيل ديران pour s'installer dans la mosquée de l'Efoy Imam Ali. Il s'appelle Bakr Hakim. اسمعوا لازم بأي ثمن نمنع من الراجل هذا يستولي على قلوب الشعب. De quoi vous parlez exactement? هاي فرصتنا نتحرك لازم ننتهي منه. Bakr Hakim? Eh. Et c'est un musulman comme nous? C'est un frère? Non, les Chiites ne sont pas des frères. معليش معليش اسمع يا ولد اسمع اسمع من الحرب هذا بيستفيدوا الشيعة. بس الشيعة والوضع هذا لازم يتوقف فاهم؟ لكوران ودي هم العدو فاحذروهم قاتلهم الله صدق الله العظيم الله العظيم الله العظيم سيزا أستا نفون لغير دو بويلو مختب خفيت مالدي Youssef, fais attention, bordel, c'est tout ce qui nous reste là. Si t'es pas content, fais-le toi-même ton thé. Oh là là, j'en vois un qui a pas fait sa sieste aujourd'hui. Hé hey, Karim, comme tu le dis si bien, va te faire niquer, d'accord? Wow, 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 ça va, c'est quoi ta merde aujourd'hui là? T'as pas mangé? Hein? Je ronfle la nuit? Le foot ça te fait chier, y'a quoi encore? On est différents, c'est tout, ok? Moi je cherche pas les mêmes choses que toi dans la vie. Je me demande même si des fois tu crois en Dieu. De quoi? Pourquoi t'es insultant comme ça, là? Réponds. C'est pas la vérité? Moi, je sais pourquoi je suis là. Et si ici, c'était trop chaud pour toi, t'avais qu'à rester dans ta fac. Tu m'as déjà vu avoir peur? Hum? Excuse-moi. C'est vrai, on peut compter sur toi, je sais. Il y a même des fois où j'ai l'impression que t'es plus de courage que moi. Karim, j'aime pas ce qui se passe ici. On nous détourne de notre vrai combat pour s'attaquer à des gens qui sont du même côté que nous. T'as pas bien compris ou quoi? Youssef. Bakr al-Hakim n'est pas de notre camp. Les chiites sont dans le camp des traîtres, des apostats. Et ça, ça dure depuis des siècles. Les sabres de l'islam ne doivent jamais se croiser entre eux. C'est interdit. Arrête, Youssef, avec tes citations. Je sais très bien que t'es plus instruit que moi. Mais jusqu'à présent, rappelle-toi, nos chefs, ils ont toujours vu juste. Alors pourquoi tu leur fais pas confiance un peu? Hein? Ouais, t'as peut-être raison. Bien sûr, j'ai raison. Évidemment. Puis au lieu de gémir comme une femme, là, va faire ton sac plutôt, là. Il est toujours prêt, mon sac. Wake up! Wake up, you heard me! Wake up, you too! Hey! Get up! Wake up! Hey, you! Wake up! Come on, wake up! Get up! Rentre par terre maintenant. Sans les mains. Sans les mains. Laisse-les derrière le dos. Vas-y! Keep going.
Go up, keep going. Hey, Suleiman. Lèche. Je vais être gentil avec toi. Tu arrêtes de faire le verre. Et tu vas être un chien. Mets-toi à quatre pattes. À quatre pattes. Qu'Allah te donne la grâce d'accomplir sa volonté. Merci de ta confiance. Tu es prêt à repartir bientôt? C'est bien que je suis toujours à votre disposition. Je ne te donnerai les détails qu'au fur et à mesure. Mais je t'assure, c'est un grand coup. Tu partiras ce soir même dans un autre quartier de la ville. Nous avons des amis. Une fois là-bas, tu attendras qu'on te contacte. D'accord. Je pars avec Youssef? Non. Tu auras quelqu'un avec toi, mais pas Youssef. J'ai besoin de lui pour d'autres tâches. Ok. Va te détendre avec des frères. Ils sont fiers de toi. Tu sais qu'on t'a reconnu à la télévision. J'ai fait ce qu'il m'a demandé de faire. Bakir al-Hakim est mort. Elle goûtera le châtiment éternel pour ce qu'il faisait. Aucun être ne sait ce qu'Allah lui réserve comme réjouissance en récompense de ses actes. Ne te méprends pas, Youssef. J'ai de l'affection pour toi.
Tu as le cœur d'un bon musulman. Tu as envie de bien faire, mais tu réfléchis trop. Tu deviens un danger pour nous. Je suis venu pour combattre l'envahisseur. Nous allons bientôt accueillir quelqu'un qu'il faudra garder. Je ne vois personne d'autre que toi pour faire ce travail. C'est toi le chef? هذه هي لمصلحتكم ولمصلحة أخوانكم السوريين على حسب رأيي فرنسا لا تتخلى عنها يا سيدي هاي المصلحة شاملة للجميع يا سيدي عاطفي؟ اشتغلنا سوا لكن ما عندنا خرابة طب منيح كان بيزعجني اتخلص منها اذا قلت لها انها بتعز عليكم سنشعل الأرض تحت أقدام الأمريكان لن تقر لهم أعين ما دام المسلمون والعراقيون يدافعون عن العراق وعن دينه الأمريكان وعملائهم يعيثون في الأرض فساداً وهذه العميلة ستكون أول عميلة للثورة الإسلامية ضد أعداء العراق وضد أعداء الله Brigade pour la restitution du califat. Inconnu au bataillon. Ça représente quoi, au juste? Certains radicaux sunnites assez isolés qui veulent profiter du chaos créé par les Américains pour restituer le califat à Bagdad. Un pouvoir politique lié à l'islam. Mais attention, c'est peut-être un nom fantaisiste pour tromper tout le monde. Mais qu'est-ce qu'ils réclament exactement? Curieusement, ils exigent que la France cesse son soutien à la coalition et quitte l'Irak. Ça n'a pas de sens. À l'évidence, on a affaire à des amateurs. Pas nécessairement. On peut aussi avoir affaire à des gens qui cherchent à gagner du temps et à nous égarer pendant quelques semaines. J'aime pas beaucoup ça. Le plus inquiétant est qu'ils n'ont pas demandé de rançon. Ah mais ils demanderont jamais de rançon. Ce qui veut pas dire qu'ils n'en accepteront pas. Alors quoi, ce sont des groupes mafieux? J'en sais rien. En tout cas, je m'explique pas vraiment ce qu'ils espèrent tirer d'une citoyenne française. En plus, elle serait une des leurs, à ce que j'ai pu comprendre. Il paraît, oui. En tout cas... Ce que j'aimerais vous dire, c'est que ça me paraît pas impossible que ce soit une affaire de règlement de compte. Moi, ça ne me paraît pas une hypothèse vraisemblable. Sinon, pourquoi toute cette rhétorique aussi radicale? Dans cette hypothèse-là, ils auraient gardé cette affaire pour eux. Je m'explique. Son ONG, la SAPI, travaillait main dans la main avec le gouvernement de Saddam.
Elle importait des produits chimiques sous le contrôle du programme pétrole contre la nourriture. Et justement, là, il y a certaines choses qui ont attiré mon attention et qui me laissent penser qu'en fait, cette société sert à blanchir de l'argent. Il s'agit de toute évidence d'une affaire politique. Je suis prêt à penser que la Syrie y est pour quelque chose. Permettez-moi d'insister, mais j'ai tout un dossier sur l'implication éventuelle de la... Bessière. L'implication éventuelle de la SAPI dans une affaire de pot de vin à l'échelle internationale. Et si je me permets de vous dire ça, c'est qu'à mon avis, ça peut nous mener à connaître ceux qui en veulent à l'otage. De toute évidence, le soutien qu'on a apporté aux opposants libanais a provoqué la colère de la Syrie et de ses représentants sunnites en Irak. Voilà, ça me paraît une piste plus vraisemblable. Bon, messieurs, dans ce type d'affaires, faut pas trop tergiverser. Je pars voir la DGSE et j'aimerais pouvoir leur donner des précisions. Trouvez-moi vite quelque chose sur l'identité des ravisseurs. Et moi, je pense qu'il y a un lien tout à fait plausible entre la capture de cette femme et les activités de son organisation. Nous n'avons aucune indication précise qui nous permette d'arriver à de telles conclusions. Ah si, si, si. Nous avons des soupçons extrêmement crédibles sur les actions de ces gens. Non, Hugo, vous avez des soupçons. Vous seul en avez. Et puis, pendant que j'y suis, est-ce que je peux vous demander pourquoi est-ce que vous êtes allé trouver quelqu'un à la DGSE pour demander à ce que cette organisation soit mise sous surveillance, sans me tenir au courant? Installez-vous derrière mon bureau pendant que vous y êtes. Bon. Alors pourquoi ils l'ont kidnappé? Pour faire pression sur notre politique au Liban, je vous l'ai déjà dit 100 fois. Seulement, vous êtes bien trop absorbé par vos théories de complot pour écouter quoi que ce non, soit. Non, mais pourquoi elle? Pourquoi justement cette femme-là? Mais puisque vous étiez au courant de tous ces faits et gestes, comment est-ce que vous n'avez pas vu venir le coup? Elle était en danger, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, vous avez raison, mais personne n'a rien vu. Eh ben alors, vous voyez, un analyste n'est pas un flic. Alors dorénavant, laissez ce genre de boulot aux gens qui en ont vraiment les compétences. Très bien. Écoutez, si vous voulez, moi j'irai moi-même à Beyrouth prendre contact avec les agents des Syriens. S'il y a vraiment un lien entre eux et les ravisseurs comme vous le croyez, on pourra facilement négocier la libération de l'otage. J'espère que vous avez raison. Lave-toi. Je trouve plutôt irritant que l'administration française nous envoie un représentant de second ordre pour discuter du devenir de ce pays. Que voulez-vous que je dise à mes chefs à Damas, hein? Nous sommes très attachés au droit de toute démocratie à disposer de son propre destin. Les Libanais de l'opposition qui demeurent en France sont très riches. Ils ont réuni récemment des fonds considérables. Vous pensez que nous ne voyons pas leur manège? À quoi sert cet argent, à votre avis? À soutenir leurs candidats pour les prochaines élections, oui, j'imagine.
Vous pensez que ce pays a besoin d'une nouvelle guerre civile? Si nous n'étions pas là, cette ville serait encore à feu et à sang. Écoutez, c'est pas parce que nous ne voyons pas votre présence tout à fait de la même façon que nous ne pouvons pas trouver un terrain d'entente. Alors que faites-vous ici? Vous avez sans doute entendu parler d'une de nos concitoyennes qui est tombée entre les mains d'un groupe de tendance sunnite salafiste en Irak. La Syrie n'accorde aucune aide à ces groupes pour opérer. Je suis entièrement d'accord, mais vous avez, comment dirais-je, des contacts privilégiés. Alors, si vous pouviez intercéder en notre nom, je ne vois pas. Je ferai part de votre inquiétude dès mon retour à Paris. Et nous verrions sans doute un changement d'attitude de mon gouvernement envers le Liban et son allié la Syrie. Nous verrons, monsieur Bessière. J'ai un problème grave avec Bessière, monsieur. C'est votre département, Étienne. Si vous voulez le transférer, je n'y vois aucun inconvénient. Je pense que ce serait bien de le mettre en congé pendant quelque temps, disons pendant un mois, le temps de voir dans quel service on pourrait le verser. Je crois qu'il serait très heureux de retrouver le terrain en Afrique. Si vous le dites. Je crois que ça serait mieux pour tout le monde. Pas si vite, vous allez vous faire mal. Pourquoi vous me parlez? C'est contre les règles, non? Nous ne sommes pas des chiens. Notre seul objectif est débarrasser l'islam des envahisseurs. Mashallah. Et pourquoi vous m'avez enlevé? Pourquoi moi? Vous êtes musulmane? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je sais que vous êtes française, j'ai pas besoin d'en savoir plus. Et que si vous permettez de dire... Personne! Je suis soumis à mon Dieu. Mon existence est entièrement consacrée à lui. Seigneur du levant et du couchant, seul et unique Dieu. Que son nom soit loué. Si on fait du bien, on reçoit encore plus de bienfaits. Mais si pour le faire, on a commis le mal, alors il faut implorer le pardon, vous connaissez? La citation n'est pas exacte. Qu'importe, c'est pas vrai. Ne jouez pas impunément avec les paroles saintes parce que ça vous arrange. Teach you that? No, sir. Been doing it my whole life, sir. It's a good thing, too, because this equipment y'all been giving us is for shit. With all due respect, sir. Carry on. Saddam Hussein, you're gonna live in pain. We're gonna kick your ass until the pouring rain. Or Daesh Kusai, you better learn to fly. We're gonna kick your ass until you reach the sky. What's up with you, man? Oh, supposed shit. To be having fun. Yeah. Look like someone just shot your girlfriend or something. Someone shot my girlfriend yesterday. Man. Shit. All right, man. My bad, man. My bad. Listen, don't you Iraqis ever rhyme or nothing? Do it all the time. Why not? Take it away, then, man. Okay, give me the beat. The beat. The beat. The man wants the beat. All right. Let's hear it. Yeah. Shoot what you're doing. Yeah. Shoot. Hey.
حريت كل فصل طوها لقلكو خلوها جينا شافي بوضوح مش راح تقدروا تعموها احنا شعوب صرنا عايشي الاف السنين وسا انتو جايين تعلمونا كيف نعيش زعك انه احنا ناسجينا من المريخ لحظة شوي تعالوا نفتح ملف في التاريخ ناسين انسانيتكم انبنت على 80 مليون هندي نفس شباك رميتوها قبل جايين ترموها لعندي قوليش انا شو بدي انا عندي كل العدي تاريخي بيشهد علي من ابن سينا للكندي واليوم وجه عمالكم تشوهوه باعلامكم اللي معتم عمالكم تعتموه باش كلمه الاسامه بن لادن عمالكم تشوهوه شو انتو شو انكم انتو اللي زرعتوه قلتوا عنا ارهابيين وهذا اللي عم تحصوه 11 سبتمبر هذا اللي تنبأتوه ضليتكم تقتصبوا تنهبوا الشعوب لحد ما حققتوه النار طلعت من عينكم رح ترجع تحرقكوه وش بيطلع لفوق لازم ينزل لتحت النار طلعت من عينكم رح ترجع تحرقكوه وش بيطلع لفوق لازم ينزل لتحت Wiki wiki wiki! Wow, not bad, yeah. Goddamn, awesome. You understand shit, but not bad at all. I didn't get it. You got man. Sir? Not liking this one bit, Colonel. We got two Turkish drivers working with Bechtel. Decapitated last week. We got IEDs going off every day, killing our boys. Now we got this French chick kidnapped. Yes, sir. It's partly my responsibility, sir. How's that? Well, she was helping me lay a trap for a bath party bigwig when she disappeared. You had something to do with it? Well, it wouldn't surprise me. Can I buy you a beer, Colonel? Yes, sir. You hungry? No, sir, I'm fine. There you go. Thanks. Well, let's keep our eyes on the prize. We got to get the Shiites and the Kurds working to control their own country. And arrest the rest of these Baathist fuckers. Well, I think we're making a mistake getting rid of all the Baathists, sir. You know, some of them actually know a thing or two about running this shithole. Well, Jeffrey, I don't agree. Jerry Bremer doesn't agree. Don Rumsfeld doesn't agree. And he goes right on up the chain of command to President Bush. That may be. Doesn't change the fact we got an administrative nightmare on our hands and not a soul to help us sort it out. Well, believe me, these sons of bitches, every one of them's taking his orders from Saddam. We gotta eliminate this cocksucker and fast. Yeah. There is no other choice. Salam, Shabab. يحميك ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله ابننا حسين. بتدير بالك عليه؟ هو شجاع. ان شاء الله بكره بيرفع راسنا لفوق يا رب. الله شوف محبته ويراته. ان شاء الله. تفضل. اعرفك على باقي العيلة. يم حسين. يم حسين هذا كريم اللي جاي ياخذ معاه حسين. الله يسهل عليهم ان شاء الله. زلمه موجود بمحله شو ده تاخيره ساعه تاريخ
طب منيح، بس اسمع، الحاكم برونر مسافر على واشنطن هالأسبوع، بس راجع عن قريب. ها راح تكون آخر صفرة إله، فاهم؟ آخر صفرة. منيح. شو مع الفرنسيين؟ دمشق مراتني ما عاد تحرك هلا. حكومتهم اتصلوا بالفرنسوية. شو إيه؟ إذا ما اتفقوش. إذا ما اتفقوش معناته مصيرة ما بيهمه. وساعتنا فينا نتخلص منها. أعطيها هذه، خليها تتعلم لها شيء. Les chefs m'ont autorisé à vous donner ceci. Vous lisez l'arabe ? Dans le noir, je lis rien. Dans votre situation, vous trouverez édifiante la sourate l'Asr. Alam nashrah laka sadraka wa wadana anka wizraka الذي أنقذ ظهرك ورفعنا عنك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرحت فانصب وإلى ربك فارحب Madame. Madame. Allez vous faire foutre. C'est pas à moi de prendre ce genre de décision. Bien sûr. Et c'est pas moi non plus qui ai décidé de vous mettre ici. Mais une chose est sûre, c'est que vous recevrez la récompense de vos actes le jour de la résurrection. Au fond, vous méprisez tous ceux qui ne croient pas comme vous. Thank you.
Ils m'ont mis en congé. C'est à cause de notre obsession pour les sapines. Mais je comprends pas pourquoi ils en font l'affaire personnelle. Bah si, figurez-vous. Si Morin est à ce poste aujourd'hui, c'est surtout grâce à M. Paul Bayard. Pardon ? Quand Morin est sorti de l'ENA en 82, il a rejoint le corps diplomatique à Moscou. Oui, ça je sais, il m'en a parlé plusieurs fois, oui. Bah, qui était ambassadeur en URSS en 82 ? Bayard ? Et puis, quand Bayard est parti pour diriger la délégation française à l'ONU en 87, qui a-t-il pris comme adjoint ? Étienne Morin. Tu crois que Morin est impliqué dans toutes ces affaires Capeluse tout en étant OK ? Non, ça c'est improbable. Tout à fait, mais il est normal qu'il garde envers son patron une certaine mansuétude et qu'il le protège, il doit bien ça. Qu'avez-vous encore sur place à Bagdad ? Connaissance, plus personne. Les communications sont devenues très difficiles. Toutes les têtes ont changé et mes réseaux se sont évanouis dans la nature. Je sais même plus avec qui on devrait parler. À part les Américains, bien sûr. Et la taupe que vous aviez infiltrée à la Sapie, je pourrais la voir ? Ont disparu depuis longtemps. Présumé mort. Mais attendez, vous pensez pas aller en Irak, quand même ? Vous n'avez pas envie de m'accompagner ? Dommage, avec vous, ça aurait été plus amusant. Non, merci. Vous vous souvenez du colonel Walid, l'envoyé qui appartenait à l'ambassade irakienne l'année dernière ? Oui, bien sûr. Il a été rappelé à Bagdad un mois avant la guerre. J'ai son numéro, je vous communiquerai. ضايق شجاع انت اخترت هذا الطريق يتلقى بالجنة ان شاء الله ان شاء الله مساء الخير عليك افشت زلمة مع السلامة بارك خلاص مع السلامة يلا مع السلامة سلام سهل عليكم ان شاء الله C'était pas lui qui allait. Allez, allez, allez.
Personne ne t'aime, shérif. Personne ne s'occupe de ton sort. Tu te rends compte? Personne ne se souvient même de toi. C'est comme si tu n'avais jamais existé. Open up. Take off his chains. Regarde. Ils mangent des ordures. Et pourtant, même eux, ils vivent mieux que toi. Ils s'amusent. Ils sont libres. Tu n'as même pas cette chance. Tu laissais mon ami prendre ses 15 enfants. Pourquoi l'as-tu laissé faire? Pourquoi n'as-tu pas pris plutôt les profanateurs de ton nom? Et moi? Pourquoi m'as-tu laissé massacrer mes propres frères? Non. C'est pas comme ça que ça devait se passer. On fait que s'entretuer. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et ne craignez que Allah. C'est toi qui l'as dit. Alors explique-moi. Croyez vraiment qu'Allah aurait fait une chose pareille pour vous, qu'il aurait tué 15 enfants uniquement pour vous ouvrir les yeux? Allah sait tout et fait tout. Ces enfants sont des martyrs. Des martyrs? Mais pour quelle cause? Et à quelle fin? C'est pas à vous la de me donner des leçons. Mais écoutez-moi bien, mais pendant... J'ai pas besoin de vous écouter. Vous êtes du mauvais côté de la porte. Écoutez-moi bien, je sais pas comment vous vous appelez. Mais pendant 10 ans, j'ai essayé de sauver des gosses ici à cause d'un embargo qui n'a jamais gêné les dirigeants de ce pays parce qu'ils vivaient comme des rois. Ils avaient le pouvoir de me tuer à tout moment et ça m'était égal finalement. J'ai vraiment besoin d'aller à Fallujah maintenant. C'était prévu pour ce matin, pas dans 2 jours. Mais madame, je vous l'ai déjà dit, l'armée américaine n'admet aucun journaliste là-bas. Avec tous ces attentats, tout est bloqué jusqu'après-demain. L'américaine y est allée, Florence aussi. Mais pourquoi est-ce que je vous paye, moi? Ils m'ont déjà refusé 3 fois. Je ne sais pas ce que je peux faire de plus. Désolé. Écoutez, je suis appelée par elle, je ne sais pas ce qu'on fait. Colonel Walid. Non, vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Ah, je ne travaille pas. Alors, c'est bon? C'est bon.
Je vais me coopérer du tout et on pourra se retrouver ici après-demain à 8h. D'accord? D'accord. Bon. Excusez-moi, monsieur Besson. Je n'aime pas parler du passé. Je m'appelle Walid, tout simplement. Pas besoin d'en dire plus, c'est moi qui m'excuse. On a tous une famille à nourrir. Madame? Madame? أهلا وسهلا. هذا الرجل ممثل الحكومة الفرنسية وصل عشان يساعد مديرتكم. هذا تيكون صديقتي، أنا ما أشتغل عندها. سي تون أمي دو مدام لوغوين. بونتري؟ نو. نو، أتوني سي فوبلي. Alors, malheureusement, nous n'avons pas de nouvelles, mais croyez-moi, nous sentons notre possible pour la libérer. Alors, je sais pas, est-ce qu'elle aurait laissé une note quelque part ou... Je vais vous montrer ce qu'elle a laissé. Choukran. Choukran. Merci. Allah yebkhallik. Ça représente quoi tous ces bons, en fait? Et ce sont des transactions de la SAPI avec le ministère du Développement industriel. Vous avez vu le prix qu'ils payaient pour Doclan? Oui. Si c'est pas du chlore qu'ils achetaient. Quoi pensez-vous? Peut-être que la SAPI a trouvé le moyen génial de purifier l'eau avec du pétrole, par exemple. Bien sûr. Regardez. Regardez. Vous voyez ce nom? Oumam Abdelkhalik. Un vrai fils de pute. Complètement corrompu et surtout capable de tout. Est-ce qu'on pourrait mettre un dessus? Est-ce qu'il est encore vivant, vous voulez dire? Hein? C'est vrai? Non. C'est passé? Ce n'est pas ça. Je ne peux rien faire avec des billets de sang. Il faut des petites coupures. Et genre quoi, 20 dollars? Un dollar, le temps, 5 à la limite. Les commerçants sont trop méfiants. Il y a beaucoup de faux billets en circulation. Je crois que comptez, moi. Merci, merci, mon ami. Il y a un an, quand pensez-vous à Paris, vous ne pouvez pas imaginer qu'on en soit là un jour. C'est vrai que malgré tous les renseignements que je pouvais avoir, je ne m'attendais pas à tel chaos. D'ailleurs, excusez-moi d'être indiscret, Walid, mais comment vous en sortez? Ben, mal, mal. Oui, mais encore. Avant, on avait peur de parler. Maintenant, on a peur de sortir de chez soi. Je comprends. Quand le soir, je rentre sain et sauf à la maison, je m'estime extrêmement chanceux. Pour l'instant, ça m'est suffi. بعد الله بيخبلنا مفاجآت. نمشي؟ ألو؟ يلا يلا تعال. معك كل شيء؟ يلا اسكندرة. حط اسكندرة. يلا بسرعة بسرعة
Attendez, 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 vous allez où là? Mais qu'est-ce qui se passe? صور مين فاكرين حالكم انتوا الفرنسيين كنا صابرين الشروط لتحرير مواطنكم واضحين بس انتوا بتتجاهلونا حتى بعتوا مفاوض غير حقيقي لمخادعاتنا جيبوا الاسترالي Au nom de la brigade, pour la restitution du Khalifa. Si vous avez suivi l'estifal, ça va être ce mesure. Vous savez, Walid, pour vous dire la vérité, franchement, je pensais pas que vous allez réussir à vous mettre en contact avec Abdel Ralik. Il est toujours recherché par les Américains, mais par contre vous, il vous fait confiance. Je comprends pas. Il lui a promis la protection du gouvernement français. C'est pas possible. Jamais je pourrais garantir une chose pareille. Bon, pis pour lui alors. De toute façon, je n'ai jamais aimé ces types. C'est des hommes comme vous qu'il faut dans ce pays. Pourquoi vous n'essayez pas d'entrer dans la nouvelle administration? Mon fils a encore besoin de son père. Ces attentats. On ne sait jamais si on ne sera pas la prochaine victime. Comment on dit déjà, Dieu nous réserve bien des surprises. Pourquoi ces histoires vous intéressent-elles autant? La France n'a pas d'autres soucis en ce moment. Je sais que c'est difficile à croire, monsieur le ministre, mais disons que de temps en temps, on aime bien faire le ménage dans sa propre maison. Vous, les Européens, vous ne vous rendiez pas compte. Mais à l'époque, on étouffait avec vos sanctions. Ce que vous avez fait concerne les Irakiens. Moi, je m'intéresse seulement à Paul Bayard. Pourquoi M. Bayard? Ce type n'est pas grand-chose. Donc, vous me confirmez qu'il est bien impliqué, c'est tout ce que je voulais savoir. Ce n'est pas la peine de venir ici chercher le mal. Le mal se trouve chez vous, à l'intérieur du ministère où vous travaillez. Ce que vous appelez les ventes corrompues touche au plus haut niveau de votre gouvernement. Sans compter toutes vos compagnies pétrolières qui profitaient du flou artistique des accords avec l'ONU. Vous voulez les noms? Tiens. Il y a une femme dans toute cette histoire. L'otage française, est-ce qu'elle aussi marchait dans les combines de Bayard? Je ne sais pas. Je ne la connaissais pas. J'ai du mal à vous croire, monsieur le ministre. Qu'est-ce qui m'empêcherait de vous garder, vous aussi? Vous avez certainement plus de valeur pour votre gouvernement que cette femme.
Je vous offre notre protection et vous me menacez. C'est pas très fair play. Et vous? Vous jouez à quoi? Lève charmant, pas de gaz. خلاص خلاص امشي امشي Mais vous perdez la tête, nom de Dieu! Tirez-vous de là tout de suite! Vous êtes en train de tout faire foirer! Rentrez immédiatement par le premier avion! Ne vous inquiétez pas. Vous êtes en sécurité. Tout ira bien. Venez. Accrochez-vous. Ladies and gentlemen, we got him. Get up. Habille-toi vite. Tu rentres en France ce soir. Je suis content d'être là. Nous sommes en direct, madame.
On entend souvent prononcer ce mot djihad sans vraiment réfléchir à ce que ça veut dire. On manipule les concepts, on soumet la religion à la politique et puis on dit c'est ça le djihad. Il y a une chose dont je suis certain. C'est que le véritable djihad est celui que l'on mène envers nous-mêmes. Nous ne sommes que des êtres humains incapables de savoir ce que Allah nous réserve. Il est miséricordieux. Et généreux. Et c'est à lui, et à lui seul qu'on doit se soumettre.